De l'arrivée, elle avait su maintenir vraiment son effort jusqu'au passage du poteau et battue par June qui depuis a remporté son quintet. Allez, nouvel essai. Cette fois, a priori, c'est bon. On a vu Elisa Droma qui avait été reprise et un bon départ pour John du Martza. Nous avons également Hermione du Martza qui fait partie du groupe de tête. Inside Love se rapproche à l'extérieur. Joconde de Colmine a déjà refait pas mal de son handicap. Et puis Impact de Colmine, évidemment, qui ferme la marche sur le 50 mètres, mais qui est plutôt bien parti. Avec John du Martza, le numéro 6, qui a, le numéro 7, pardon, qui a l'avantage avec Hermione du Martza, tous les deux qui font partie du groupe de tête. Nous avons également en troisième position le long de la corde Jukebox Love qui est accompagné par Ina Fighter qui est en quatrième position, avec à l'extérieur John du Martza qui se rapproche. John du Martza qui va prendre les commandes maintenant, qui va venir relayer Hermione du Martza. Nous avons en troisième position Ina Fighter avec le numéro 3 Jukebox Love qui est en dedans. Inside Love est pour l'instant au centre avec Ilona du Rocher qui est à la corde. Le numéro 4 Alisa Droma venant un petit peu plus loin avec le numéro 1 Impact de Colmine qui est devant Joconde de Colmine qui pour l'instant ferme la marche. Passage devant les tribunes avec Ina Fighter qui semblait assez tendu en dedans, avec aux commandes Marco Stefani qui prend maintenant l'avantage devant le numéro 7 John du Martza. Inside Love, ça ne va pas être facile, se retrouve le nez au vent en troisième position avec Hermione du Martza, le numéro 6 qui est quatrième à la corde, devant encore Alisa Droma avec Impact de Colmine, Joconde de Colmine qui est sur ses talons, Jukebox Love qui est en dedans, suivi également encore notamment par Ilona du Rocher. C'est compliqué hein, pour le numéro 5 Ina Fighter qui manque visiblement un peu de souplesse. Marco Stefani qui essaie de gérer au mieux la situation avec Inside Love qui est en deuxième position. Nous avons également John du Martza, Hermione du Martza qui sont là, et voilà Impact de Colmine qui commence à se décaler avec Xavier Beauvais qui commence à avancer, qui ramène sur un plateau le numéro 2 Joconde de Colmine. Ça ne va plus du tout hein. C'était déjà le cas depuis un petit moment pour Ina Fighter qui est au galop le bout de la ligne d'en face avec Impact de Colmine qui met la pression maintenant sur l'animateur le long de la corde. Inside Love avec en troisième position Joconde de Colmine qui essaie de se rapprocher. Alisa Droma venant un petit peu plus loin avec Impact de Colmine qui a l'avantage, devant également en bonne place à l'extérieur Joconde de Colmine, alors que Jukebox Love est au galop. Impact de Colmine qui a l'avantage, Joconde de Colmine qui est sur ses talons, avec en troisième position un peu plus loin Alisa de Roma. Inside Love qui a du mal un peu à accrocher le bon wagon. Ils vont bientôt aborder la dernière ligne droite avec Impact de Colmine, avec Xavier Beauvais qui a l'avantage. Marc-André Beauvais aux commandes de Joconde de Colmine et qui est en deuxième position, avec Alisa de Roma également qui refait un peu de terrain. Nous avons également le numéro 6 Hermione du Martza qui tente de revenir. Impact de Colmine face à Joconde de Colmine, le frère le long de la corde, la sœur qui est au centre avec Impact de Colmine qui a toujours le meilleur mais qui va devoir subir l'attaque de Joconde de Colmine qui termine de mieux en mieux. Impact de Colmine, Joconde de Colmine, Joconde de Colmine, Impact de Colmine aux abords du poteau. C'est Joconde de Colmine qui va s'imposer, semble-t-il, face à Impact de Colmine. La troisième place en retrait, certainement pour le numéro 6, Hermione du Martza. Voilà, victoire sans doute de la petite sœur finalement, Joconde de Colmine, le numéro 2 qui vient battre sur le poteau Impact de Colmine, le numéro 1. Et c'est, alors on voit le passage du disque, oui c'est fait pour Joconde de Colmine qui s'impose face à Impact de Colmine. La troisième place qui va revenir en retrait au numéro 6 me semble-t-il, Hermione du Martza. Et la quatrième place pour le numéro 4, Alisa de Roma. On revoit cette super superbe explication dans la phase finale. On a longtemps cru hein, qu'Impact de Colmine allait pouvoir tenir la dragée haute à Joconde de Colmine, mais la dernière assaillante a eu le dernier mot, la fille de Quinoa du Gers qui s'impose sur le fil. La troisième place en retrait pour Hermione du Martza avec Jean-Loïc Dersoir, et c'est Alisa Droma, le numéro 4, qui termine au quatrième rang. On se retrouvera dans un petit quart d'heure maintenant pour évoquer notre troisième rendez-vous. Départ prévu aux alentours d'11h50. À tout à l'heure.